les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ghost of Tsushima. Et oui, petite vidéo bonus, je n'ai pas envie du tout de quitter Jin Sakai et l'univers du Japon et surtout Ghost of Tsushima. Donc petite vidéo bonus, une quête secondaire est apparue après avoir vaincu l'aigle. Donc c'est parti, on y va, tout de suite, on perd pas de temps. Merde, je voulais monter classe par le haut, j'ai raté. On va passer par là. Je crois qu'elle est dans la maison, il me semble. Nous sommes en guerre. Si vous êtes fatigué, vous n'avez qu'à aller vous plaindre à la tribu de l'aigle. Ils ont toujours été. Laisse-nous, Atiro. Oui, laisse-nous. On doit parler. Peut-être que Yamaneko en a eu assez. Des soucis avec vos hommes? Rien d'insurmontable. Je dois sans doute te remercier pour la mort de l'aigle. Et pour avoir laissé la vie sauve à Tenzo. L'aigle a eu ce qu'elle méritait. Quant à Tenzo, cette île a déjà perdu assez d'habitants. Et c'est loin d'être terminé. Un navire mongol mouille près des côtes. Sa cargaison pourrait permettre à mes hommes de survivre à cette guerre. Nous nous en emparerons. Et vous demandez de l'aide au samouraï le plus haï d'Iki. Cet honneur revient à ton père. Vous seriez prête à engager un ancien ennemi et à risquer la vie de vos hommes pour une simple cargaison? Qu'y a-t-il sur ce bateau, Fune? Ma fille. Alors c'est une mission de sauvetage. Ah ok. Sous couvert d'attaque. On va devoir sauver sa fille. Ça ne veut rien. Vous ne leur avez pas dit qu'ils risquaient leur vie pour sauver votre fille? S'ils la prennent, ils se soulèveront. On ne savait même pas qu'elle avait une fille. Je ne peux pas le permettre en ce moment. La tribu de l'aigle vous massacrera. Je ne peux pas abandonner ma fille. Joins-toi à nous et aide-moi à la sauver. Discrètement. C'est d'accord. J'accepte. Merci. Nous partirons à l'aube. D'ici là, joins-toi aux festivités ou repose-toi sur mon navire. Ok, la loi d'une mère. Et normalement, cette fois, c'est bien la dernière et toute dernière quête de Ghost of Tsushima. Profite tant que tu le peux. Nous levons l'ancre aux aurores. Je me suis encore fait éclater au sol. Pourtant, je fais bien la roulade, hein, mais il y a des fois où ça prend et des fois où ça merde. Du coup, c'est par où? Mêlez-vous aux pirates, c'est facultatif. Bah, je veux bien. On va aller voir là-bas. Fune travaille encore. Sans rire. Elle n'a jamais manqué aucune fête. Si, une fois. La nuit, après le... Chut. On a de la compagnie. Yasuo était rentré de Tsushima. Il y a des provisions. Une petite partie. Un jeu de Go. J'y jouais souvent avec mon oncle. On a déjà assez de joueurs, mais on prend les paris. À ton avis, qui va gagner? Les blanches ou les noires? Les blanches. Bonne chance. Reviens plus tard pour connaître le résultat. Il y a d'autres personnes à qui je dois parler là-bas. Il y en a deux, ok. Ça c'est la... Ah non, ça c'est la carte principale, ok. Non, c'est le facultatif, ok. Bah j'y vais là, hein, du coup. Je vous sers un verre ? Ça ne ressemble à aucun saké que j'ai bu. Nous n'avons pas d'alcool fin sur Iki, Seigneur Sakai. Si vous voulez vous chauffer les boyaux, il faudra vous contenter de ma recette maison. Si tu cherches à m'empoisonner, je doute que cela suffise. J'ai survécu au poison de l'aigle, n'oublie pas. J'en prendrai aussi, si ça peut vous rassurer. Et à quoi buvons-nous? À l'île d'Iki. Et là-bas, le dernier. Ah non, c'est ici. Fune dit que ce bateau mongol déborde de richesses. Fune dit beaucoup de choses. Tu crois qu'elle nous ment? Je pense qu'elle nous cache quelque chose.
Et la dernière fois qu'elle a agi comme ça, j'ai perdu deux de mes frères. Je vais attendre sur le bateau de Fune. Alors, où est le bateau ? Faut ressortir d'ici, à mon avis. Ah, c'est bon, on est dessus. On est sur le bateau. Non, je voulais récupérer les provisions. Reviens. Je veux les... Pourquoi ? Il y a du bois là. Bois d'if. Il y avait des provisions ici. Voilà, provisions. Maintenant, je peux remonter. Je vous ai donné un ordre. On ne bougera pas tant que vous ne nous aurez pas coulés. Que se passe-t-il ? Parlez à Fune. Ce n'est pas qu'une question de cargaison, pas vrai ? Qu'est-ce qu'il a de si important, ce bateau mongol ? L'ennemi est déjà en mouvement. Et là, nous perdons du temps. Vous nous devez des réponses ! Non, Atiro. Je ne vous dois rien. Je m'en occupe, Jin. Où va votre loyauté, Fune ? À vos hommes ou au fils du fléau ? Je vous ai donné absolument tout ce que je possédais, à toi et mes hommes. Préparez le bateau. Vite ! À vos ordres. Mes hommes nous attendent sur la plage. Par ici. Ah, ok, elle est là. Ne vous laissez pas attendre. Je sais. Pas alors que Toki est si proche. Pouvez-vous me décrire votre fille ? S'il y a d'autres prisonniers, il faut que je puisse la reconnaître. Elle a mon menton. Et mes yeux. Et... Et ? Je ne sais pas à quoi elle ressemble aujourd'hui. Je ne l'ai pas vue depuis des années. Ce n'est pas facile de vivre loin de sa famille. Est-ce que tu as des enfants ? Non. Mais mon père... Je l'ai à peine connu. Il n'était lui-même que sur le champ de bataille. J'ai peut-être plus en commun avec le fléau d'Iki que je ne veux bien l'admettre. Je pourrais en dire autant. Ah, les Mongols, morts. Et là, des Mongols en vie. Enfin... Mes éclaireurs. Morts quand même. Range ta lame. Yasu, au rapport. Ces chiens de Mongols sont en train de charger leur bateau. Ils ne savent pas qu'on arrive. S'ils nous repèrent... Ils s'en iront vers le large. Qu'ils essaient donc. Mes archers sont en position, prêts à enflammer leurs voiles. Une attaque furtive les prendrait par surprise, et éviterait de toucher leur précieuse cargaison. Bien pensé, Jin Sakai. Tu viens de gagner l'honneur de mener la charge. Prenez le bateau, et n'épargnez aucun Mongol. Ok. Abordez le bateau mongol. On va essayer de le faire discret. Enfin là, je peux tuer personne d'ici. Hein. Ah si, lui là. Et toi, bim. Ah, là, il y a des provisions aussi. Merde. Il a vu le corps, lui. Allez, hop, la posture. Parfait. Lui, il se barre. Il y en a d'autres.
Bim. Ah merde, lui il va faire un truc. On se le casse. Ah merde, c'est les bombes fumigènes. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ah merde, il m'a cramé lui. Merde, ah merde. Bim. Et vous deux là-bas. Alors toi avec tes flèches de feu, c'est même pas la peine. Non, 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 Naze. J'ai la posture, je vais la garder. Yes. C'est bon. Ouais, je regarde s'il n'y a rien à récupérer, hein, du coup, avant de lui parler. Où est la fille de Fune? Ah, il y a des provisions aussi. Ah, on va aller voir là. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis, elle est pas dedans. Voilà ma fille. Ah si. Toki. Ah si, si. Moi, ta mère. Elle est mal en point. Le Kusuri a entièrement consumé son esprit. Je lui en avais donné pour soigner une douleur. C'est un remède très puissant, qui peut être addictif. Je ne savais pas qu'elle continuait à en prendre jusqu'à ce qu'elle cause la mort de mes hommes pendant une attaque. Selon ma propre loi, j'aurais dû la mettre à mort. Mais c'était votre fille. Alors je l'ai exilée. Mes hommes étaient furieux. Certains sont partis, d'autres me détestent. Je ne me suis plus jamais détournée de mes lois depuis ce jour-là. En même temps, elle n'avait quand même pas tué sa fille. Mais ça ne change rien. Elle est perdue. Vous avez voulu bien faire. Je l'ai revue une fois. Je l'ai trouvée à l'arrière d'un salon de thé, perdue dans ses rêves. Elle s'était souillée depuis longtemps, à en juger par l'odeur. J'étais tellement en colère que je l'ai laissée là. J'aurais dû la ramener avec moi. Il n'est pas trop tard. Sortons-la de ce bateau. Regardez-moi un peu ça. Fune nous a menés ici pour sauver sa fille. Cette garce à qui je dois la mort de mes frères. Elle a déjà suffisamment payé pour cette erreur, Hachiro. Pas vraiment. Vous l'avez épargnée. Ne vous inquiétez pas. Je vous laisserai le temps de lui faire vos adieux avant que je lui tranche. Ça sent le combat, ça, à mon avis. Seul un monstre ferait couler son sang. Ce combat n'est pas le tien, Sakai. Si. Maintenant, si. Bien au contraire. Que tous ceux qui me sont encore loyaux reculent. Ces rats sont à nous. Et bim! Après les Mongols, les pirates. Ah, il y en avait un là. Ah, lui, il a un bouclier. Ah mince, ça peut... ça valide pas à chaque fois la posture que je choisis en fait. Je pense que ça vient du joystick, du fait que j'ai le joystick pour courir et tout. Bah, c'est qu'il est avec nous. C'est bon, on a fini? On a fini. Hachiro avait de la voix, mais peu d'alliés. Vos hommes ont un profond respect pour vous, plus que vous ne l'imaginez. Je l'admets, je suis surprise. Ma fille a tué des hommes, des pères, des frères, des époux. S'il s'était agi d'une autre, j'aurais été de leur côté. Vous êtes à votre place, auprès de votre fille. Son esprit est perdu. Mais son corps souffre encore du manque de Kusuri. Je dois l'aider et la soulager. Merci, Jin. Puissiez-vous trouver la paix, Fune. Une petite quête. Vraiment toute petite quête.
Petite vidéo bonus, pas très longue. On va enfin quitter Ghost of Tsushima. J'ai vraiment du mal d'arrêter ce jeu. La loi d'une mère. Terminé. Donc on va devoir s'arrêter là. Morgane, le charme de charge taurine, accroît la puissance du coup d'épaule et de la frappe sprintée. Affiché. Non, je me suis trompée, c'est pas grave. Ok. Bah du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Ghost of Tsushima. Cette vidéo, ce let's play, enfin cet univers, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo sur Ghost of Tsushima. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut !